Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo revue crash test pour tester des patchs de l'Institut Histoderm que j'ai pu gagner sur leur page. Souvent, ils font des petits concours comme ça pour pouvoir nous permettre de découvrir leurs produits et je trouve ça génial. Je pensais pas du tout découvrir justement leurs produits et gagner un concours. Et bien, bingo, j'ai gagné et je vais pouvoir vous en parler. Je vais pouvoir les tester avec vous. Ce sont des patchs Lift and Repair qui se présente comme ça. On va y revenir après, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé, tout ça. Mais avant, je voudrais quand même vous parler un peu de la marque, parce que c'est vrai que moi j'en ai déjà entendu parler parce que j'avais mon esthéticienne qui se servait donc de cette marque là. Donc je sais que ce sont des produits qui sont vraiment de bonne qualité. Vous pouvez les retrouver normalement sur Sephora. J'ai pu voir la dernière fois et je me demande s'il n'y a pas Marionneau au Nocibé aussi. Alors, pour vous parler un petit peu de la marque, elle a été créée en 1978. La recherche Institut Histoderm, il s'inspire des ressources naturelles de la peau pour formuler des soins sur mesure par rapport à notre peau. Ce que j'ai pu consulter au niveau de leurs petits fascicules quand ils me l'ont envoyé, ce que je vois, c'est surtout la prévention de signes de l'âge et la correction de signes de l'âge. Et ils parlent aussi beaucoup de la santé cellulaire, donc au niveau des cellules. Ils parlent beaucoup de l'eau cellulaire. Voilà, donc en fait, ils vont s'inspirer de l'eau qu'on a au niveau de la peau. Ils ont retravaillé leurs produits et ils ont offert toute une gamme de produits. On va retrouver des sprays, on va retrouver pour préparer la peau, c'est-à-dire le démaquillant biphasé, ça c'est bien, l'eau micellaire, des laits, des lotions, des mousses et gels pureté, des mousses et lotions, des crèmes, des incrustants, des masques qui font en même temps gommage. Ensuite, on a toutes des gammes au niveau de la prévention des signes de l'âge. Donc là, je vous en passe, parce qu'il y a énormément de gammes. On va retrouver, par exemple, après, quand on a un certain âge, comme moi la quarantaine, une correction des signes de l'âge. Et on va retrouver aussi des soins solaires. Alors, en fait, ils avaient mis un petit post sur leur mur. Et puis, il fallait partager, mettre un petit partage pour gagner des patchs. Donc, j'ai reçu dans une enveloppe bulle. Donc dans un premier temps, les patchs qui se présentent comme ceci. C'est sympa, c'est une forme d'enveloppe aimantée. Voilà, donc c'est le programme jeunesse du regard. Les patchs sont dedans et on a leurs différents produits par rapport au niveau du regard. Donc on va retrouver, ça j'aimerais bien tester par contre, le démaquillant Osmo Cling Waterproof yeux et lèvres. C'est pour ça que j'aimerais bien le tester. On va retrouver le Lift Repair, donc les patchs, comme j'ai. Et ensuite, toute une gamme de crèmes au niveau contour des yeux. Et ensuite, ce qui est sympa, on a des petits dessins, voilà, avec à faire des petits mouvements. Alors, au niveau des patchs, bien sûr, c'est pas avec un patch. En fait, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment des cures d'un mois renouvelables. Donc, sur une peau qui est parfaitement nettoyée, sèche, donc là, c'est mon cas, vous voyez mon belle peau. Donc il faut appliquer des patchs sous chaque œil en allant jusqu'à la patte doigt, lisser légèrement avec le doigt pour qu'ils adhèrent bien à la peau. Il faut laisser agir 5 minutes, retirer les patchs et ensuite faire pénétrer l'excédent. Ne pas rincer, surtout pas réutiliser les patchs, on jette. Et ils mettent la fréquence d'utilisation, c'est-à-dire que en cure d'un mois renouvelable, la première semaine il faut 3 applications, soit 6 patchs. La semaine 2, 3 applications, semaine 3, 2 applications, semaine 4, 2 applications. C'est vrai que déjà, on fait connaissance avec la marque et ça nous permet aussi de tester, de voir. Donc on y va, on fait le crash test, je les pose, je laisse 5 minutes, je fais ce qu'ils disent et je reviens vous dire ce que j'en pense. Thank you.
ça y est, le test, il est fini. Alors, pour vous dire, donc, je l'ai appliqué, j'ai pas eu... Comment dire? Par rapport à d'autres patchs que j'ai pu appliquer, pour moi, ils ne venaient pas spécialement ici. Si je le remontais beaucoup plus, ça me touchait au niveau de l'œil, donc parce qu'ils me disent de remonter quand même jusqu'à la patte doigt qui est ici. Donc, je trouve que au niveau des patchs, la conception, elle devrait être... Enfin, mieux, je trouve. Ils sont mal coupés dans le sens où... je vais vous montrer tout de suite. Voilà comment ils sont. Vous avez pu voir dans la vidéo, voilà. En fait, ils sont pas assez creusés et vous voyez, si je monte plus, ben ça descend, ça se met mal. Donc ça, pour moi, c'est pas l'avis positif. Hein. Voilà, je vous montre, je vous dis ce que j'en pense. Ensuite, quand je l'ai appliqué, une sensation de fraîcheur, mais après, j'ai trouvé que ça me chauffait. Voilà, et je peux pas vous dire les effets après, par la suite. Pour la première utilisation, je pense pas que je rachèterai parce que je trouve qu'ils sont vraiment mal découpés. Vous avez bien vu, hein, voilà, mal découpés. Et cet effet chauffant, je sais pas si c'est le fait que je suis trop sensible. J'ai pas spécialement bien apprécié là, au niveau des pages. Vous avez vu le crash test. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien tester au niveau produit, au niveau crème, parce que j'ai vraiment eu quand même des échos. Après, notre peau, elle est adaptée ou pas. Hein. Mais déjà, voilà ce que j'ai pu vous en dire des patchs et de ma petite expérience. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.